Cyclisme, je me sens chez moi dans cette équipe, Wout Van Aert prolonge à vie avec Visma Lisa Bike. Le Belge était initialement lié jusqu'en 2026 avec l'équipe qui compte également Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023 dans ses rangs. Voilà un bien bel exemple de fidélité à des couleurs. D'un attachement viscéral à une formation. Le Belge Wout Van Aert, une des grandes stars du cyclisme mondial, a annoncé mercredi qu'il prolongeait à vie son contrat qui devait expirer en 2026 avec l'équipe Visma Lisa Bike. Je me sens comme chez moi dans cette équipe. Elle est unique et je m'y épanouis depuis 5 ans. C'est pourquoi j'ai décidé de rester ici pour toujours et ça fait vraiment plaisir, a déclaré le Flamand de 30 ans dans un communiqué. Alors que des spéculations l'envoyaient notamment chez Red Bull Bora Hansgrohe, Van Aert devrait ainsi terminer sa carrière avec l'équipe néerlandaise qu'il avait rejoint en 2019, tout en se projetant déjà sur un partenariat à long terme au-delà de sa trajectoire sportive. C'est unique dans notre sport. C'est unique dans notre sport mais on n'avait tous deux pas besoin d'y réfléchir longtemps, a commenté le patron de Visma Lisa Bike Richard Plug, sans dévoiler les termes du contrat. Wout est évidemment un coureur fantastique avec un grand palmarès, Milan-San Remo, 2020, Gent-Wevelgem, 2021, Amstel Gold Race, 2021. C'est un coureur tout-terrain, un sprinter, un coureur de classique, un spécialiste du contre-la-montre, dans les bons jours, il peut aussi gagner une étape de montagne comme lors de sa célèbre victoire sur le Mont Ventoux dans le Tour de France, a ajouté Plug au sujet de Van Aert, vainqueur notamment de 9 étapes du Tour de France. À côté de ça, Wout est aussi devenu un élément indispensable de notre équipe, un leader et un coéquipier qui rend les autres meilleurs, a encore déclaré le patron de l'équipe Visma qui compte également Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, dans ses rangs.